Voilà, c'est... Après, j'essaye d'être assez pédagogue, même pour les débutants, tu vois. J'essaye de donner des astuces qui paraissent peut-être simples pour certains, tu vois. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent le jeu cette année. Et j'essaie d'être le plus clair possible dans les explications. Lethal Tempo Wukong, ça peut être pas mal. D'ailleurs, Lethal Tempo qui est meilleur en late maintenant. C'est pas bon là. Comme d'hab, game compliqué. Oh, c'est ridicule encore. Ah, toutes mes games avec Chaco, ils sont infects. Je vais mourir, gros. Vas-y, je suis mort. Hein. Fais les couilles. Hein. C'est bon frère, je ping, je dis cover my box, frérot, on est 4, faut pas déconner, genre, là, c'est simple, merci Kizix pour les deux mois, désolé gros, je t'aurais pas en limite énervé. Gros, c'est simple, je l'écris, je t'ai dit cover my box level 1, et je crois que le Wukong n'était pas là. Oh frérot, tout à l'heure, elle fait une erreur de Silver 2, et là, il fait une erreur de lecture, mec. Oh, c'est grave. C'est une catastrophe. Mais vous savez qu'encore une fois, là, ils sont morts, là, on est 5, ils sont morts. C'est deux games les mêmes, frère. C'est la même erreur. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer Chaco. Mon personnage sert à rien niveau 1. Il faut juste ne pas jouer avec des teuteux, quoi. Tu joues pas avec des teuteux, ça passe. Oh, c'est une erreur, frérot. Tu commences le jeu, tu as juste à lire le chat, quoi. Merci, Samadridam. C'est ça, en fait, qui me rend malade. Je m'énerve même pas de perdre le début de jeu. C'est juste, c'est con, frère. Ça n'a aucun sens. Oh, les mecs qui restent sous la tour niveau 1, frérot, ça n'a jamais rien apporté, il faut arrêter, là. Le jeu, il commence à 0 minutes, il commence pas à 2 minutes. Hein. J'ai perdu tout mon bot side, c'est le même matchup, en plus, c'est Midali, elle va encore passer niveau 3 avant moi, et c'est fini, là. Mais ce qui me fait chier, c'est que j'essaye de vous donner des astuces dans des games standards, mais frérot, ma game n'est jamais standard, quoi. T'es mal au bordel, genre, comment elle va être dure encore pour moi. Genre, je commence sans Ignite, sans Clear Jungle. Un allié a été tué. Je le suis, je m'en bats les couilles, hein. Niquez sa mère, allez. Casse-toi de là avec ton poisson pané là. Vous avez tué un ennemi. Ça va frérot, tu crois où là? Ça va que j'ai... Honnêtement, ça va que j'ai chopé un peu de ressources parce que ma game est misérable. Hein, Attends, mais. Je suis en train de capter qu'elle a pas fait mon raid. Parce que depuis tout à l'heure, j'adapte mon gameplay par rapport au fait que j'estime qu'elle a commencé à mon raid. Mais en fait, elle a commencé ailleurs, quoi. Non, c'est pas la même Nidali, les gars. 0-2 au top! Ah ouais, nice. C'est pas la même game que tout à l'heure, quoi, avec le Yone en 0-13. Faudrait tuer le Jin qui est en 0-3, là. Enfin, en 3-0. Je suis obligé de back, les gars. Corki, c'est un bon late game.
Le problème, c'est qu'il va se faire one-shot à tous les passages niveau 6 de Fizz. Dès qu'il aura un poisson, il va se faire one-shot. Du coup, je sais pas trop comment on peut faire. Que même si, admettons, j'arrive à tuer le Fizz, ben avant que je le tue, il aura tué Corki, tu vois. Parce qu'il va faire un assaut, et là, il va passer niveau 6, il va go in au mid. Là, en fait, c'est de la lecture, tu vois. En gros, je sais qu'il va passer niveau 6, et il va engage le Corki, tu vois. Bon, là, il essaye de le poke pour le mettre un peu low life. D'accord, ça touche. Il faudrait que j'arrive à mettre une box qui arrive à counter la charge de Fizz. Il va passer niveau 6, le Fizz va y aller, hein, regardez bien. Après il sait que je suis peut-être là quoi. J'attendrai le temps qu'il faut, j'en ai rien à foutre. Je peux pas, voilà, hop. Dieu qui donne. Il est mort, il est mort 100 fois Nidalee topside. Le problème c'est que je sais très bien que le matchup au top est ingérable et en tant que jungle c'est très compliqué de jouer ce genre de partie. Quoi. Parce qu'on est encore dans le même scénario où mon vis-à-vis est full fed. Elle joue un perso méta donc elle peut faire un Drake solo à la différence de moi. Et du coup, ça rend les choses problématiques pour ma game perso. Et je savais, il allait passer niveau 6, il allait go sur le Corki, mais le problème c'est que... Supériorité numérique. Je te sens accro à LoL ou pas? Non, c'est juste un taf. Je suis accro à rien, mis à part au stream. Là elle va jouer les râles, la Nidalee, le problème c'est que j'ai pas assez de ressources. 3-0 Jhin, on n'a pas forcément... Bon on a une bonne compo qui scale mais ils en ont pas une mauvaise non plus, Jhin est giga fed. Shaco peut solo Drake avec son R, exactement. Sauf que je suis pas 6 depuis tout à l'heure. Du coup c'est un peu problématique. J'essaie de forcer les râles, c'est le seul truc qui peut nous refaire monter en gold. Surtout qu'avec des box, on peut peut-être gérer un fight. Top, c'est pas terrible, du coup je peux pas vraiment gank au top, c'est très problématique. Bot, ça va fight. Elle va se faire d'ailleurs, on peut rien faire. C'est un perso de merde là qui dash dans tous les sens. Le problème c'est que je sais qu'ils sont tous bots, dans la logique je suis censé aller top. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Je peux pas aller top parce que la Riven est tellement fed par rapport au Wukong que c'est trop dangereux en fait, c'est la lane qui perd. Du coup j'ai plus de choses à perdre en allant au top que l'inverse. Ok, oh, frère c'est Bagdad. Merci Ozaro. Ouais, de moi. Je sais qu'ils sont pas loin là. Nidalee et... Voilà. Ouais, je pense qu'elle peut, elle peut clairement 1v2 la Riven. C'est pour ça que ma game est ok, autant ne pas la rendre dégueulasse, tu vois. Mais ça va être dur. Ça va être dur parce que le Jhin en 3-0 est une très bonne condition de win pour eux. On est beaucoup de squishy. Mais il n'y a pas que le Jhin, il y a le Fizz, il y a la Nida et la Riven qui sont très bien.
Du coup, le scénario est compliqué. Comme toutes les parties. Yo, Raizo. Normalement, je mets tout dans les box. Là, je mets un peu plus de points dans le E parce que je pense que ça va pas mal combattre. Il va falloir que je joue avec le côté finisher. Liandry me manque 100 gold. Eh ben, dommage. Nous ratons ce coche. On va mettre ça, hein. On va pas jouer ce dragon. On a malheureusement pas la position. Ah oui, il est parti à Marrakech pour le poisson. Si t'avais le corquille. Je joue bien pourtant, mais. C'est infernal. C'est infernal la game. Infernal comme c'est dur les games. J'essaye de le cover du mieux que je peux le Wukong. En fait, je m'aperçois que le mec est pas mauvais, mais avec le retard qu'il a, même s'il est très bon sur le perso, tu vois, c'est, il est obligé de perdre, tu vois. Mais je vois que le mec est pas mauvais, il est bon mécaniquement, tu vois. Mais bon, je dois faire avec quoi. Le problème est là quoi. Après j'ai de la chance que bon, Nidalee, je m'en fous qu'elle soit fed, c'est un perso qui dans tous les cas est toujours fed. En mid game je suis bien plus puissant, mais il va falloir arriver au mid game quoi. Mid game avec un Rakan assez bien, un Jhin qui est plutôt pas mal non plus. C'est quoi cette vitesse mec? J'ai même pas vu le R de Fizz, hein. Je n'ai même pas vu le visuel de l'ultime. Le sort est bizarre, je sais pas. J'ai pas vu le sort. Moi je dis streamhack. Frérot, avec leur niveau de jeu, je peux t'assurer que c'est pas du streamhack. Autant des fois je peux en douter, mais là. La game est largement prenable. Mais c'est pas toi, Riku, qui t'arrêtais pas de dire streamhack hier, genre. En vrai, y'a moyen de vérifier ça, hein. Parce qu'en vrai, c'est pas ma bonne, je te le dis. Y'en a un hier, il nous a bien cassé les couilles, quoi.
Gale Force. Non, j'étais pas là hier, écoute. C'est un jour de chance. De gagner du temps sur le djinn. Ouais, nice. Ouais, j'ai bien gagné du temps du coup. Je vais me prendre le R là. J'avais pas d'autre choix, tous. Elle domine la petite Nidalee, 20 stacks de Medjay. Apparemment, je n'ai pas le droit au bonheur aujourd'hui contre les Nidalee. Le Djinn il est en 3-0-6, on n'arrive pas à l'avoir et il gale force tout le temps. En fait, ce qui gave, c'est que les games sont trop durs. Hein. Je suis toujours bien dans les games, mais c'est injouable. Regarde les dégâts que je mets, frère. Ouais, parce qu'on est toujours derrière dans la game. Ah, mais c'est trop aussi, c'est bon. Oh, frérot, mais sans déconner. C'est trop. Un 4, un 3, 0, 3, frère. C'est pas jouable. On va believe sur le late game de Corki, mais... Le problème c'est que Djinn ne meurt pas en fait, on n'arrive pas à l'avoir et quand tu vois que c'est persistant comme ça, souvent c'est comme ça toute la game quoi. Après, le deuxième Herald, il est bien en shutdown parce que l'Herald c'est quand même conséquent. En plus de ça, tu chopes les shutdowns. Il faut vraiment jouer autour des box. Si jamais on prend pas un fight avec les box, on a automatiquement perdu la game. Je peux faire le taf de 2 à 3 joueurs moi avec des box. Mais c'est sûr que si on joue pas avec, c'est compliqué. Les gars, encore une fois un HP, vas-y. Ouais. Ok, bien joué. Prendre des HP, ils ont trop d'assassinats. Ça va être amusant. Quelques erreurs. La Red Smite. Pas ça. C'est bien ce qu'on fait. Ils vont faire une erreur là au niveau des box. C'est quoi ce gueule pour ça?
Encore que ça va, niveau wording et tout, on n'est pas trop mauvais, tu vois, on n'est pas trop en retard. Le Wukong a l'air d'avoir une bonne vision de jeu dans l'ensemble, il gère bien son 1v1 alors qu'il perd de base la lane. Donc c'est positif. Y a moyen les gars, franchement... j'ai envie d'y croire à cette game, même si la Nidalee a full de ma stack de Medjay. Ça c'est pas nécessaire tu vois. C'est pas nécessaire, la Caitlyn est full de rank. Je peux pas poser mon Herald, on m'aide pas à push. Triste. Il va gagner fort, ça sent. Oula. Je peux pas gagner, je peux pas me poser mon Herald, je n'ai pas de push en fait. On arrive dans une minute et c'est fini. Voilà, comment perdre une game? Le jeu n'est pas jouable. En fait, la game est perdue au fur et à mesure de par le fait que ça joue pas au jeu en fait. Les calls sont simples. La condition de win, c'est de pas leur laisser le Drake. Ok, c'est bien. Heureusement qu'il y avait quelques box. De toute façon, on peut la gagner, c'est juste qu'il faut rester focus, il faut dans l'ensemble, pour récupérer le shutdown de la Nidalee. J'ai réussi à poser la box. Je suis fier. Voilà, le premier hint, copieux, majeur, qui peut nous remettre bien dans la game. Ça va, vous aimez bien que je vous explique le pourquoi, comment jouer, etc. En fait, vous voyez que même si la game est dure, je dis pas genre c'est free lose, tu vois. Je vous explique pourquoi c'est dur et je vous explique comment revenir dans ce genre de game. Le principal, c'est que ça doit se jouer au mental. Et là, typiquement, j'essaye d'analyser ma composition par rapport à la leur. Je vous explique par exemple pourquoi Nidalee c'est feed et pourquoi c'est normal. Merci Jean-Roux pour le prime. Maintenant, là, je vais... En fait, pour revenir dans la game, sachant qu'on a pris des shutdowns, c'est de jouer autour du Nashor. Et comment on gagne? C'est en prenant des box. Parce que mon but c'est de protéger mes carries du mieux que je peux, sachant que c'est très compliqué. Il faut jouer au niveau des objectifs majeurs, vu que c'est ça qu'ils vont essayer de jouer à terme. Corki c'est un gros carry, il a la couronne. Là je ping les box à chaque fois. Là j'ai des bons dégâts, j'ai double... J'ai pris la box. Je vais l'envoyer sous la tour. Explosion. De rien. Je vais juste box ici, hop. Ah, faut pas que je meure, hier on est mort pas mal de fois contre le Nashor.
1700. Corki est bien fait, niveau 15. Je peux pas en vrai, je peux pas aller au raptor, je perds trop de temps. Faut que j'attende. C'est bien mid-jay sur Shaco, ça dépend des games. Il faut vraiment que tu sois devant et que tu sais que le début mid-game est gratuit quoi. Après tu perds le stack de mid-jay comme la Nidalee, et bah après l'item il sert plus à rien et tu perds la game. Hop, trop important, l'anti-heal, Nidalee, le heal, Gordrinker, heal de Rakan. Là, en gros, j'explique que je les laisse prendre la prio pour avoir l'information sur les lanes. Et de l'autre côté, j'essaye de box le Drake. Faut vraiment jouer les dragons, sinon c'est l'âme. Là je Q-spell pour pas être vu au niveau de cette box. Parce que sinon ils vont boire. C'est bien ça. C'est très très bien ça. Et canon ici. Là je dis à Wukong d'aller sur la wave du mid, on n'a pas vraiment besoin de lui, je pense pas qu'il conteste ce dragon. Bon là j'ultime parce qu'il n'y a pas mes mates pour aller plus vite. Juste smiter, on sait jamais s'il y a quelqu'un de caché ou je sais pas, on prend pas de risque. Ça. La box qui tue Fizz. La box. Riven. Take jungle. Là le but c'est quand t'as pris une grosse agression au mid de voler les camps de la jungle pour justement les empêcher d'XP et de revenir dans la game. Sur un chrono, ils ont pas forcément beaucoup d'RM. Juste un peu plus près. Bizarre, hein. Qui c'est qui m'a counter? Ah, c'est maintenant là?
Non mais... Ça c'est pas bon. Jure. What the fuck, j'ai fait le loup. Y'a le Nash. Il peut m'engage. Je la mets assez low. Comme ça, ça gagne du temps sur le Nashor. Là, mon but, ça va être de box le Nashor pour éviter qu'il le fasse. Plus il y aura de box, plus ils pourront pas le faire. Pour attendre le Corki, après il a pas la TP. Nous, ça sert à rien de le 50-50. On joue tranquille, pas besoin de forcer. Bientôt mon niveau 16. Push la wave avec le clone. C'est très très UJ ça. Faut pas sous-estimer un push de wave. Voilà. On a gagné. Mais tu vois, la différence entre cette équipe et la précédente, c'est que ben, ça écoute ce que j'essaye de mettre en place. Il y a peut-être plusieurs stratégies, mais au moins tout le monde écoute une stratégie, et malgré des lanes compliquées, on arrive à gagner quoi. Parce que ben, League of Legends, c'est un jeu d'équipe, avant tout, et que même s'il y a des games difficiles, comme on a pu le voir au début, j'ai souffert parce que ben, j'avais des lanes qui perdaient, mais ben, Wukong, même s'il perdait sa lane, il était bon, tu vois. Je l'ai vu mécaniquement, y a pas besoin de forcer, quoi. C'est juste que, bah, Unlucky, on a eu une phase de lane compliquée, quoi. Du coup, on fait avec. Voilà, du coup, la game ira bien évidemment sur YouTube, sur la chaîne YouTube secondaire. Si t'as aimé, lâche un like et abonne-toi, bien évidemment, pour d'autres gameplays. Voilà.